Comment occuper les jeunes pendant les vacances d'été? À Bar-sur-Aube, le centre social a trouvé un projet plutôt motivant, une web-série qui est tournée et réalisée entièrement par les jeunes de la ville. Stéphane Janesco, Olivier Maillard. Depuis le début de l'été, une quinzaine de jeunes participent à un tournage d'une web-série inspirée d'un conte et légende médiévale. Une histoire écrite et réalisée par deux jeunes, un mage à la recherche de la pierre rouge. Restune, c'est tout simplement l'histoire d'Arkezal, un mage, et c'est moi qui joue ce rôle. Et je suis en quête de puissance, et je cherche à acquérir plus de pouvoir, et sans trop dévoiler l'histoire, je vais avoir quelques compagnons, et on va tracer notre route. Passionnés et très motivés par leur tournage, ces jeunes sont encadrés par l'association 10200 images de Bar-sur-Aube. Ils sont initiés aux techniques et langages du cinéma. Et après, il faudra avoir quelques plans d'ensemble, donc ce serait bien qu'en fait, Sam, il ne tombe pas tout de suite à l'eau. 10200 images apportent toute l'infrastructure, je dirais, logistique, technique, et puis bien sûr les conseils plus pédagogiques sur tout ce qui est conseil au tournage, conseil à la post-production, etc., au jeu d'acteurs, enfin tout ce qu'on peut amener d'appui à leur volonté de réussir leur web-série. Les deux premiers épisodes sur la dizaine d'écrits de cette histoire sont déjà en ligne. D'autres sont au montage. Les prochains tournages auront lieu aux vacances de la Toussaint, dans les coteaux de Bar-sur-Aube.